Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, je vous parle de ce petit dock Spigen. Alors, c'est un truc à la con, ça vaut 10 euros. Et c'est justement pour ça que je vous en parle. C'est parce que des docks pour Apple Watch, généralement, ça vaut dans les 30 euros, si c'est pas plus, des trucs super chiants en aluminium, etc. Des trucs ultra stylés. Foncièrement, on s'en fout, on veut juste docker notre Apple Watch verticalement sans avoir à se prendre la tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de ce truc Spigen. Alors, Spigen, c'est la marque dont je vais vous parler également pour les coques d'iPhone. C'est une marque connue qui fait des câbles, qui fait un peu de tout. C'est super con, ça vaut 10 euros, c'est du caoutchouc tout simple. Les finitions sont pas top parfaites. Vous voyez, il y a des jonctions, je vais vous montrer un petit peu de plus près après. Il y a des jonctions qui pourraient être mieux faites, mais ça ferait grimper le prix pour une raison, enfin sans aucune raison en réalité. C'est réellement de bonne qualité pour un truc à 10 euros. Très honnêtement, ça suffit très largement. Donc il est collé, il y a de l'adhésif dessous. J'ai été suffisamment malin pour le coller avant de faire la vidéo. Et il y a sur l'arrière, je sais pas si vous le voyez du coup, deux petites encoches, une sur la gauche, l'autre sur la droite. De cette façon, vous faites passer le câble de votre chargeur où vous voulez. Vous voyez, ça se fait avec une main, clac. On met son chargeur en place et basta, c'est réglé. Alors attention, maintenant je vous prends à une main, encore une fois. Paf, on vient ici et de face, donc c'est ce que je vous disais, c'est pas niveau finition, c'est perfectible. On peut peut-être faire mieux, c'est la définition de perfectible. Clac, si j'arrive à faire une mise au point, voilà. Vous voyez sur la gauche là, ça pourrait être mieux ici, là. Ici, là. On voit un petit truc, le plastique est pas parfaitement ajusté. Mais vous allez acheter des coques d'iPhone, des fois à 80 euros, et ça sera pareil, pas parfaitement ajusté. Donc, foncièrement, on s'en branle. Votre dock pour Apple Watch, il n'est pas inclus, le câble, évidemment. À 10 euros, on n'a que ceci. Et vous avez votre truc ici qui arrive. Foncièrement, il n'y a pas besoin de passer une demi-heure à vous faire cette vidéo. Hein. Tout ce qui compte, c'est que vous avez votre truc qui est docké sur votre chevet. Vous vous couchez le soir. Hop, mia. Et terminé. Votre Apple Watch se fout en charge. Je le refais en regardant ce que je fais plutôt que regarder l'écran. Hop, et voilà. Elle est dockée. Il y a le petit rebord ici. C'est légèrement creusé. Je trouve ça suffit. Très con, mais bien pensé. C'est légèrement creusé ici. Alors, je sais pas si j'arrive à vous le montrer, mais vous vous en doutez, pour que l'Apple Watch, justement, ne reglisse pas vers l'avant, ce qui n'est pas le cas de l'immense majorité des docks. L'immense majorité des docks se concentre exclusivement sur la force magnétique de... Du chargeur à induction. Et là, en l'occurrence, eh ben, y a le petit rebord qui fait que, paf, votre Apple Watch, elle glissera pas. Parce qu'elle est tenue tout simplement par le petit rebord ici. Je le trouve pas dégueu, je le trouve même assez sexy. Et voilà. Et donc, je vous le recommande très fortement, parce qu'à 10 euros, vous auriez réellement tort de vous en passer. Moi, jusqu'à maintenant, je voulais pas de dock parce que c'était cher. Ben, à 10 euros, j'en ai pris. Je vous fais des bisous.